Choose your character! Bonjour à toutes et à tous, bonsoir et aujourd'hui on se retrouve pour un autre épisode sur Destroy All Humans PS4 en remake. La dernière fois je sais plus du tout ce qui s'est passé, du coup je vais pas résumer. Mémoire de super poisson rouge, je le rappellerai, et bien évidemment. C'est parti pour continuer à essayer de conquérir la planète Terre, de sonder des petites anus. Voilà. Peut-être que j'arrête de dire anus parce que ça se trouve YouTube a censuré, il faudra peut-être dire des petites rondelles. En plus, c'est plus sexy, les petites rondelles. Correspondant étranger. Bizarrement, l'image ne correspond pas au titre, je trouve. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, correspondant étranger? Moi, je sais pas, j'aurais mis un jeu de mots avec le plat. J'ai pas d'idée comme ça, mais je suis sûr que vous avez plus d'idées originales que ce titre quand même. Parce que correspondant étranger. Bon, vous me direz à la fin de cet épisode, s'il y en a dans les commentaires, si vous avez trouvé un meilleur titre que ça. Franchement, je pense que vous trouverez bien meilleur titre. Menace d'assassinat sur Bert Witter. Craignant pour sa sécurité, l'icône de l'information américaine s'enfuit déclarant « Nul ne peut faire telle information ». Bah si, le gouvernement peut la... pas vraiment la faire taire, mais il peut la... la changer. Mind control efforts, but they won't stay down for long. However, if we can harness the massive power of television, we could brainwash the whole country. We can easily transmit our signal on normal television frequencies. All we require is a suitable guise, a persona the humans will trust. C'est une mission un petit peu chiante, ça fait un peu chiant. One possibility. A human television presenter called Bert Wither, but he's made himself scarce. Perhaps he got wind of what you did to Sleepy Ernst. Forgive my impertinence. Ah, Ernest, you are an alien, are you not? How'd you guess? I knew it. My prayers have been answered. On behalf of all the nations of the Earth, I welcome you to our planet. Ouais, oh, super, on a un fan. Gee, thanks. Means a lot. Est-ce que tu aimes les petites sons de rondelles? We need to find Bert Wither. Where is he, pathetic crackpot human? You want Bert Wither? You got him. Follow me. Perfect. Yes, on a un fan, ça commence, yes! On va bientôt créer une chaîne de Twitch et YouTube crypto et tout. Venez vous faire sonder. et sonder par tous les sens du terrain. Sonder la rondelle, sonder l'esprit. Please, come with me. Alors, suivez Scientifique Fou, obtenez toutes les informations de Scientifique Fou. Alors d'abord, attendez, est-ce que je vais déjà... hop, voilà. Lire. Ah, je m'en doutais qu'il y en avait... Je me rappelais qu'il y en avait un petit... c'est pas un drone, je sais plus ce que c'est, mais... une sonde, voilà, c'est une sonde machin. Alors là, le problème, c'est qu'il parle, voyez-vous, il n'y a pas les sous-titres. Il est censé donner des informations. C'est ça le souci. Aussi, des fois, il est pas... Regarde, il traduit pas tout, c'est ça qui est chiant. They have gun turrets around the perimeter too. A whole ton of them on the water side. Watch out for the EMP mines. They've got a bunch of those around the perimeter too. The perimeter's pretty rough, actually. Voilà, je vous laisse lire en même temps. You can take a human form, can't you? You could get over there in disguise. Only one disguise will do, though. Ok, il y aura qu'un déguisement qui fera l'affaire. Boy, do I love Bert Wither. Even though he called me a crackpot in that TV interview, he said lukewarm fusion would never work, but it would, and I know it. If only I'd gotten the funny, but I didn't, thanks to Bert Wither, bastard. D'accord. You talking to me? Hop. Face invader! Oh, il m'a vu, trop tard. Je t'ai pris ton apparence. Est-ce qu'il y a un truc là? Oui, il y avait une petite son. Oh, mais il y avait aussi des messieurs là. Oh, mais j'aime bien ce monsieur. Sa veste rouge est magnifique. Oui, je suis le cinglé. Attends, oula. Attendez, est-ce que je peux... Voilà, je vais sonder l'esprit de ce monsieur. Man, I feel like cracking some heads. You know, let off some steam. Oh, d'accord, le monsieur, il veut mieux casser les gueules. Par contre, j'aime bien la veste de ce monsieur, j'avoue, elle est très stylée. J'aime bien, moi j'aime bien. Est-ce qu'il faut sonder son esprit pour comprendre ce qu'il dit? Alors ça doit être ça le truc que j'ai jamais compris.
En fait, je pense qu'il faut sonder son esprit pour savoir ce qu'il dit en anglais. Parce qu'en anglais, c'est pas ce que vous avez vu, et j'ai l'impression que quand je lis son esprit, c'est ce qu'il dit. Ce qui est pas logique, parce que là, il parle, donc vrai qu'on devrait l'entendre et avoir un sous-titre en dessous. Peut-être qu'ils ont fait ça parce que pour ceux qui. Pour pas qu'il y ait deux sous-titres, parce que. Deux traductions, parce que vous aurez la traduction de quand il parle et la traduction quand vous lisez son esprit. Si vous le faites les deux en même temps, ça s'interposerait, du coup, ce serait pas logique, mais. Ouais, je sais pas, c'est mal foutu quand même. Hein. Allez, c'est parti. Oui, bah alors, ah, oui, bah bon, ouais, écoute, on le suit. Ce palmier est tellement. Eh, ce palmier est trop bien. Ça doit être trop bien de s'asseoir dessus, par contre, t'aurais peur de le casser et en même temps, il faut quand même respecter la nature un minimum. Mais j'ai trop envie de me poser sur ce palmier et aller et sauter dans l'eau. Ouais. Hop là. The cook at this diner takes food to Burt Wither. He's the only one who gets past the force field and the guards. Ah, attends, faut que je lise son esprit pour qu'il sache ce qu'il disait. That crackpot scientist is correct. Bon, bah, trop tard. Burt Wither is under heavy guard, and only this cook is allowed near him. Ah, il faut prendre l'apparence du cuisinier. Allez, on va la faire à Lightman. Attendez, alors. Implanter un orbe. Ah, j'ai implanté un orbe. Voilà, il va me suivre maintenant. Alors attends, rendez-vous à la base militaire, rejoignez Bert Miller sans vous faire repérer. Alors est-ce que je faut que je prenne son. Ah non, il va carrément directement là-bas, ok. Sure is weird. Burt Wither all holed up in a damp cave. There's gotta be a funny story there. En fait, il me suit pas du tout, il va directement vers la base, quoi. Le problème c'est que j'ai pas de déguisement pour aller vers la base. Ah, attendez. J'avais trop compris ce truc. Est-ce que c'est un bug? Il faut prendre son apparence. Merde, y'a quelqu'un qui m'a vu. Mais qui? Putain, je peux pas le. Est-ce que je peux le faire oublier? C'est bon, je vais le faire oublier. Ouh putain. Je sonde son esprit qui normalement il oublie. Bon, on va essayer d'y aller. Alors. Crypto, be very careful. This area appears to be heavily fortified. En fait, c'est ça que j'ai dû. Alors, c'est ça que j'ai jamais dû comprendre. Je vous explique. Moi, quand j'ai joué le jeu, j'ai refait deux fois le jeu. Non, j'ai refait une fois la mission, une fois, il me semble, pour avoir les bonus. Et le mec, en fait, quand je faisais implanter un or, il ne me suivait pas. Il allait directement vers la base. Du coup, je me suis dit, en fait, le jeu, il veut qu'on essaye de le protéger jusqu'à la base. Mais en fait, non, il faut prendre son apparence. Ou alors, j'ai rien compris du tout, mais c'est mal foutu encore. Alors, attention, ça, il faut les exploser parce que sinon, ils vont retirer notre costume. Bon, ça fait un peu tilter tout le monde, mais c'est pas grave. Ça, on va le faire exploser aussi. Oh, ça a tué le monsieur, c'est bien dommage. Ah, merde, il y a des mecs de Majestic. Oh attends, si je peux faire exploser juste à côté du mec du Majestic. Oh ouais. Attends, je vais le faire qu'il oublie, comme ça il va pas me voir. Voilà. Est-ce qu'il y a une petite sonde? Ah, il y avait une sonde par là. Ah. Oh merde, 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 merde. Merde. Oh putain, j'ai eu chaud. Putain, je suis tombé dans l'eau. Hop. Ah là, petite sonde machin. Ça va, ça m'a un petit peu repéré, mais ça. Non, je peux pas y aller. Non, faut vraiment que j'amène le cuisinier là, d'accord. D'accord, faut vraiment que j'amène le cuisinier là, c'est un peu chiant quand même. Ce truc. Oh attends, je peux prendre le costume de ce majestique là. Attends, est-ce que je peux viser? Oui, c'est bon, je l'ai. Voilà, alors je prends le costume de cet homme majestique. Voilà. Oh putain, cet homme! Magnifique, il va nourrir les poissons et les requins. Je retourne voir le cuisinier. Alors en fait c'est ça, il fallait que vraiment, mais ils disent pas en fait, ils disent infiltrer la base militaire et rejoignez Bert, mais ils disent pas, bon c'est bon, il me suit tout le temps, enfin, il va directement à la base, aller avec le cuisinier jusqu'à la base, c'est pour ça qu'en fait le cuisinier il me suit pas en fait, il va directement à la base, vas-y voilà, vas-y, allez on y va mon petit, là j'ai bien nettoyé les lieux.
Alors, à savoir que j'ai recommencé au moins 4-5 fois ce truc parce que je comprenais pas vraiment. En plus, je me faisais souvent repérer, j'avoue. Mais je comprenais pas qu'en fait, fallait amener le cuisinier pour moi, fallait que je porte le costume du cuisinier. Voilà, c'est fait. J'ai un petit peu galéré, mais j'ai fait. Yeah, this is Carmine, the cook. I got a food delivery for Burt Wither. Pourquoi on peut pas prendre son costume? Ça, regardez. You know, Carmine, you look like death warmed over. What did I tell you about eating your own cooking? I kid you. Oh, hold on a second. I'll let you. C'est sympa. Apparemment, il fait de la bonne cuisine. Mais regardez, il se. Secret entrance. It's just delightful when the monkeys attempt to use their brains. Regardez, c'est complètement illogique parce qu'on aurait pu très bien se déguiser en étant cuisinier. C'est des fois, c'est pas logique leur truc. Oh, il y a un canard là. Une bouée, d'accord. Est-ce qu'il y a un sextoy? Putain, vraiment, s'ils auraient fait un sextoy, j'aurais avoué, ça aurait été très drôle. Et là, les gens, ils font la queue leu. Pourquoi? Il y a pour les manger, mais ça a fermé la cafétéria. Where is the Salisbury steak for Mr. Wither? He's starving. Is it that hard to find him up the stairs? Bon, il parle, mais il s'est pas filtré parce que je vais sonder son esprit. Oh, il y a une sonde là, mais je savais pas. Oh, je vais jamais pouvoir l'atteindre sans utiliser mon. Oh là là. Bon, je vais aller pour l'atteindre. I could call them quarks. On laisse tomber la sonde pour le moment. Nah, it's not commercial enough. Liptons? Nope, nope. Et hop, on est arrivé. Bon, j'espère que vous avez eu le temps de lire de ce que le mec pensait. Parce qu'il pensait pas mal de trucs. Don't hurt me. I'll do anything you say. I swear. You bet your ass you will. Come on, birdie boy. I got a little job for you. Ce regard. Et ce silence d'un coup. Ah oui, j'ai rappelez-vous-en que j'ai pris le skin de Crypto de PlayStation 2. Voilà, remake. Je le dis au cas où s'il y en a qui auraient oublié comme moi qui ont une mémoire super poisson rouge. Parce que je viens de m'y repenser. Snake, t'es trop fort. Abonnez-vous. Alors, ramener vers vite à la soucoupe, éliminer plusieurs soldats avec des explosifs. Ah, ok. Forcez un humain à suivre comme votre. Le commandant Furon, appuyez sur droite. Ok. Là, on va pouvoir faire un moment qu'on peut débloquer maintenant que les humains nous suivent. Ok, c'est parfait. Par contre, qu'est-ce qu'il y avait sur cette étagère? Ça avait l'air dégueulasse. Et tu vivais ici, enfin. Tu travaillais ici, quoi. Franchement, le lieu de travail, je me le trouve un peu moyen. Je sais pas vous, mais après, bon, après, il y en a qui travaillent dans. Attends. Je pourrais tellement passé comme ça en infiltration. Oh, j'ai envie de le faire en infiltration et je m'en bats les steaks de l'objectif, de le bonus là. Je m'en bats les steaks. Je me barre. Je suis tellement bien. Non, c'est pas ça que je voulais. Ouais. Je pourrais faire exploser ça. Pour tuer les deux gardes déjà. Ça les a pas tués, ils étaient pas assez près. Attends là. Oh oui, ça a marché. Oh merde, on va me repérer. Et merde, je me suis fait repérer. Merde, on m'a repéré. Je fais oublier, mais bon bah ils m'ont repéré. Bon, j'ai essayé de faire l'infiltration, c'était un fail. On va utiliser les grenades. Merde, tout coupé. Voilà. Déjà on fait ça. Oula, il y a du monde. Voilà, alors vous inquiétez pas. Attends, je peux relancer. Voilà, ma grenade. Eh, ça peut marcher. Pourquoi ça peut marcher? Ah là, ah oui, ça marche que sur les militaires en fait. Ouais, c'est les soldats, c'est pas les militaires. Bon, attendez, on va reprendre quelques munitions. Il me reste encore deux types à tuer avec des grenades et c'est bon. Y a pas de militaire là. Hop là. Watch it. Bon, d'accord, j'ai que des munitions de mon. Comment ça s'appelle? De mon rayon désintégrateur, mais pas de grenade. Magnifique. Il me faut juste deux soldats et c'est bon, quoi. Putain, ça va être chiant ça.
Ouais, attends, là, il y en a un explosif à exploser. Yes! J'ai réussi. Oh, parfait. Eh, attendez, parce que est-ce que je peux récupérer... Ah bah non, les cerveaux, je voulais dire, est-ce que je peux récupérer les cerveaux des gens? Mais non, je les ai désintégrés avec ma grenade. Alors, par contre, alors, attendez, parce qu'il y a un monsieur... Merde, on m'a vu. Merde. Merde, attendez, je cherche un... Ah, merci, c'est ça que je voulais, c'est ce monsieur-là. Il y a que lui qui m'a vu, c'est parfait, il y a que lui qui m'a vu. Il est con. C'est bon, tout le monde m'a pas vu, alors... Oula, attendez. On va... voilà, il y a... Je désactive la barrière, ça veut dire que j'aurais pu désactiver la barrière mentalement la dernière fois. Merde. Merde, ils me voient tous. Ah putain, les Majestics, ils vont faire opérer, merde. Bon, c'est pas grave. Hop, on va en profiter pour exploser les petits cerveaux. Voilà, allez hop, on explose les petits cerveaux. On va même utiliser le petite sonde. La petite sonde. Hop là, de la rondelle. Oh, regardez-moi tous ces cerveaux qui explosent, c'est magnifique. Ouais, attendez, il y a ça. Il y a ça qui va me faire chier. Voilà, direct j'ai explosé. It's killer time. Show me what you got. Merde. D'accord. Attendez, hop, toi, hop, voilà, hop. Attends, y a ça qui explose de merde là, les mitrailleuses de merde. C'est bon? Ah, il y en a encore un là. Voilà, c'est fait, y'a plus personne qui me fait chier. Plus de cerveau à prendre. Oh si, y a un cerveau, excusez-moi, j'ai failli louper le cerveau ici. Et bah c'est parfait, on peut y aller. Bon ça va, j'ai plutôt pas mal très maîtrisé la situation. J'aurais bien voulu partir en mode infiltration, mais les Majestics ils me repéraient. Comme vous pouvez voir, mon costume quand il était rouge, il me faisait ce qu'il me repérait, c'est ça qui casse couille. Enfin mon costume, mon holobob pour être expressif. J'ai l'impression que si je vous dis holobob, vous allez pas comprendre, alors que vous allez totalement comprendre, vous avez suivi le jeu. Voilà. Mon hologramme. J'aime la musique comme ça quand même. Petite musique etc. Oh mais non, mais ça j'aurais pu le faire moi-même. Bon, direct. Moi faut que je mette plus de temps quand moi c'est moi qui joue. Alors quand c'est la cinématique, il met un rayon, il détruit un bâtiment. Moi faut que je mette un rayon, faut que je le charge à fond pour le détruire. Le bâtiment c'est un peu injuste quand même, j'ai envie de vous dire, mesdames et messieurs, mesdames. Bon au moins on a fait tous les petits bonus. Et c'est pas mal. Révolte à SMSBS. Putain, c'est dur à dire comme truc. Weaver menace de quitter le journal télévisé suite à un différend salarial. Voilà, comme ça on a contrôlé Weaver. Et on va pouvoir contrôler la masse avec un lavage de cerveau. Parce qu'on leur a lavé le cerveau et la rondelle. Bien sûr, parce que c'est ça. L'un ne va pas sans l'autre. Soucoupe au crypto. Alors attendez, je voudrais voir. Moi, c'est. Alors, le bouclier, c'est bon, l'armée à fond. Ah! Prolonger l'accélération permet à crypto de déplacer rapidement. Ah, on va pouvoir augmenter la vitesse de l'overboard. Ah, voilà. Moi, j'aime bien la vitesse de l'overboard. Bon, par contre, il me reste plus grand chose. Comme point, du coup, on va. On continue ou on continue pas? Tiens, je vais vous faire un petit... Non, je vais faire ça dans un épisode. Bon, allez, on continue. Ça va faire... Ça va peut-être... Ça... Je crois qu'il va être un peu long cet épisode-là. Si je me rappelle bien, mais vu que je me j'ai une mémoire de Super Mario 11... Tout est faux. Oh, c'est magnifique, ça. Engagez-vous, qui disait. La banlieue des damnés. Pourquoi il y a des titres, des fois, qui sont assez marrants, assez drôles, bien recherchés? Et il y a des titres qui, je sais pas comment ils ont fait, on dirait qu'ils ont pioché dans un chapeau, vous savez, ils ont tiré des noms. Bon, alors attends, j'ai banlieue, hop, j'ai damné, oh bon on va dire la banlieue des damnés, allez c'est parfait. Un peu de recherche les mecs, et oh. Ah par contre, je sais pas si vous avez vu un reflet dans le reflet des lunettes de du major là, il y a un mec qui est en train de se faire désintégrer, et c'est crypto à côté je crois. Il devrait faire un petit bruitage quand même pour ça. Ou une petite musique. Weaver s'adressera à la nation à 18h. SMSBS reste muet quant au contenu du reportage spécial. Mais alors, parce qu'on a lavé le cerveau de ce monsieur.
The success of the broadcast depends on you, Crypto. You. Ah ouais, elle va être un petit peu longue cette mission, je m'en rappelle. Bon, c'est pas grave, ça fera un épisode de. J'ai fait l'épisode tout le long. De toute façon, ce let's play n'a aucun sens. Ok, c'est parti. Oh oui, je suis encore. Oh oui, ça dure plus longtemps. Regardez-moi mon petit overbird. Ah, j'aime bien moi ça. C'est seul truc fun du jeu. Et le jetpack aussi, il est marrant. Alors, hop, hop, hop. Alors, est-ce que j'ai toutes mes. Oui, j'ai toutes mes munitions. À chaque fois, ils font apparaître mes munitions. Je suis un peu con sur ce coup-là. Ah ouais, il y a des bonus qui sont un peu chiants à faire ici. Je vais peut-être pas les faire. Je dis ça et à chaque fois, j'essaie de les faire. Quoi que je voulais vraiment pas faire celui-là de ton infiltration à la base. Mais j'ai foiré parce que je fais que des fails. Je rappelle que je suis Snake 5130. Le maître des fails. Bon, c'est parti pour voir le majeur à cette tête de con. Regiments 2 and 4, form up the main junction. 1 and 3, take the flank. Carrefour? Ah, mais ils n'existent pas encore. Carrefour à cette époque-là. Target the infrastructure. I want those comm towers out of commission. Support waves? Your task is simple. Destroy the communist insurgents holding the television. Bien sûr, j'ai communiste, il y en a qu'un, c'est clairement pas un communiste, ils vont me voir direct. The son of a bitch is gonna hijack this great nation's God-given airways. Not on my watch. D'accord. Charge! Non mais il y a qu'un mec, il est petit et gris, je ne pense pas que c'est un communiste. Hein. Ou alors ils ont bien changé les gens, mais... Oh c'est parti, ça va chier. C'est pas ma guerre qui disait, je l'en fous quoi la guerre. Alors, éliminer les soldats avec des effus explosifs. Déjà faut en trouver un. Ah. Déjà voilà, ça c'est en fait deux. J'en ai un là. Alors je l'ai pas touché, bravo Snake. Je sais pas comment ça fait pour pas toucher. Ah j'en ai un. Attends je vais voir son cerveau en passant. Il faut un fixe. Ah il y en a là. Mais putain mais comment c'est fait pour passer à côté. Je lance directement dessus, j'ai visé mec. Oui je sais c'est attaqué mais attends parce que là. Attends. On vise lui. Mais vas-y, ça va viser derrière. Mais ça m'énerve ça. Oh là là, c'est extrêmement chiant et frustrant. Ah voilà, au moins ça c'est fait. Voilà, hop. Alors bon, vous avez vu, il faut protéger en fait les tours de télévision. Bon, la tour numéro 1, elle a été vachement bien amochée. Oh, ils explosent leur tête. Ah, la tour 2 elle est attaquée, comment ça la tour 2 ah, attendez, je peux en mettre un avec moi qui va me protéger, attendez. Ah, lui il va devenir mon escort boy. Il va nier aucune allusion sexuelle. Mais non, il a visé le truc derrière pour prendre des munitions. Déjà on va changer de carte. Où est-ce qu'elle est. Mais non, elle est pas attaquée la tour 2. Voilà, tour 1, elle est presque morte. Hein. Encore deux coups et c'est mort. C'est bon? Tu as été détruit? C'est bon? Le suspense est son. Ah, c'est bon! Non, elle a été détruite. Alors, premièrement, je comprends pas comment elle a pu être détruite. J'ai défoncé tout le monde. Bon, elle a été touchée un petit peu, mais après, il y avait plus personne à la fin. D'où est-ce qu'elle a été détruite? Ok, échec de la mission. Ah mais ça c'est un putain de bonus de merde. Il y a des là c'est des alors là il y avait que des bonus de merde. L'armée repousse l'invasion de la guérilla. Les otages de SMCBS survivent Santa Modesta suivent des dommages collatéraux. Non mais je vous jure quand je vise avec le viseur je lance une putain de fût, ça m'énerve quand le putain de fût atterrit derrière alors qu'on voit bien que je vise le mec. Ah c'est frustrant. Alors attends parce que alors là j'en ai touché. On va ça. Lui, on va le mettre qui va nous suivre. Oh, en plus, il a un lance-missile, lui. Oh, lui, c'est bien, il a un lance-missile. Il va être avec nous. Hop là. Ah, au moins, j'ai réussi le bonus. Ouais, je crois que j'ai détruit. Attends, on va détruire un petit peu. Non, c'est pas ça que je vais viser. Oh oui, il a lancé son missile. Ouais, j'ai un copain avec moi. C'est le lance missile. Ça, c'est trop bien. Il a été désintégré, c'est bon.
Oula, hey, il m'a un petit peu attiré. Ah, il est plus avec moi. C'est vrai que ça dure un certain temps, j'ai oublié. C'est bon. Ah merde, attends. La tour, elle est... Ah putain, il y a quelqu'un qui est arrivé. Allez, toi, je ramasse. Oh oui, il avait mal au cul, le monsieur. Ah non, il est avec moi, c'est bon. On va le remettre un petit coup qu'il me suit. Oh oui, une grenade. Il a lancé une grenade, quoi. Ah, ils l'ont tué, merde, ils l'ont tué. Je suis dégoûté. Mais, ah, c'est bon. Attends, le mec qui va avec moi. Hey, il est pas avec moi. Voilà. Mais non, mais vise. Putain, la tour elle est attaquée, mais où? Putain, mais à travers le grillage, quoi. Hop là. Voilà, ça explose. Mais non, mais c'est. Faut pas que je m'éloigne, faut pas que je m'éloigne, j'ai compris. La tour. Ah, c'est bon, la vague, c'est fini. Wouh! Eh ben, c'était compliqué, vite, il faudrait que je regagne un petit peu de munitions. Ah, ça revient, putain. Ça va attaquer l'autre côté de ce côté-là. Non, mais je veux que tu vises. Bon, d'accord, il s'est fait exploser tout seul. Il y a quelqu'un qui a lancé une grenade et il s'est fait exploser tout seul. Je crois que c'est lui, mais je suis pas sûr. Ah, mais bravo. Ah, ça y est, ça allait de la grosse artillerie. Il pourrait. Il y a un truc que je me dis, c'est un peu con. Crypto pour utiliser ses soucoupes, ce serait peut-être un petit peu plus rapide pour protéger les tours, non? Qu'est-ce que vous en dites? Nah, c'est une mauvaise idée. Parce que sa soucoupe, elle est quand même à 5 mètres derrière lui. Il faudrait qu'il monte dedans. Voilà. Ce serait chiant. Alors, élimine les soldats avec des missiles. Oh là là. Alors attendez, on va détruire les chars là. Attends, ça. Putain, il y a la tour qui attaque derrière. Oh putain. Allez, toi, donne l'explosif. Oh, attends, lui. Avec moi, le mec au missile. Allez, vite, vite. Allez. Voilà, merci. Oh putain. Putain, ils vont attaquer la tour derrière moi. Non, pourquoi tu dis? Ah, j'ai plus de munitions. On peut tirer des missiles? Ah, c'est bon! Grâce au missile qu'il a envoyé, ça a compté comme un bonus. Yes! Ah non, mais toi, pourquoi tu t'en vas? Oh, bien joué, le mec au missile! Putain. Mais non, mais c'est pas lui que je veux que tu vises. C'est pas la caisse. Mais non, mais allez. Il vise que l'explosif. Allez, c'est bon, j'ai fait le truc explosif. Il était même pas mort, lui, après l'explosion. Attends. Voilà, lui, je le mets avec moi. Ah, j'aurais pu renvoyer son missile, hein, comme vous avez pu voir, c'est bon. J'ai volé. Eh, mais là, comment. Ça cause l'explosion, je suis allé aussi haut. Et attends, il y a quelqu'un qui me tire dessus. Bon, lui, on. Oui, c'est bon, j'ai compris. Bon, je voudrais que tu vises, voilà, les ennemis, ça serait bien. Ah oui, une petite grenade là, ça serait bien. Alors non. Mais pourquoi t'es plus avec moi, toi? Oui, c'est bon, j'ai compris. Mais attends.
Voilà. Voilà, on fait. Oh là là, voilà, à la chaîne, c'est bien. Toi, ta gueule. Putain, mais. Là, ça commence à être chaud. Ça va être un petit peu la merde pour protéger tous. C'est bon. J'ai plus de munitions. Désolé. Il y en a encore un là. Voilà. Allez vite, des munitions. Hop, j'ai réussi à l'électrocuter en même temps, prendre son cerveau. Hop. Non, c'est réussi ou c'est pas réussi? Attends, j'ai un doute. C'est bon, j'ai réussi. Oh là là. C'était un petit peu short quand même. Oh putain, cette vidéo va être trop longue. Et en plus, ils amènent les robots. Oh, alors il y a un truc. Je me rappelle de ce bonus que j'ai galéré. Faut renvoyer des grenades. Et il y a que les robots qui lancent des grenades. Enfin, à part des fois les soldats, mais une fois sur 30 000. Et faut les renvoyer sur des soldats. Je vais pas la faire, cette bonus, ce truc de bonus là, parce que je suis galéré à la faire déjà la dernière fois. Et attendez, faudrait que je voie le niveau de santé et de mes. De santé de. Ouais. De mes tours. Elles sont revenues à fond, ça va. Mais non, mais. Oh, pourquoi je peux plus lancer. Ah, voilà. C'est bon, j'ai réussi à les faire. Normalement, ils vont arriver de par là. Oula, il y a une belle brochette là-bas. Oh, oui, c'est beau ça. Hop, attendez, on va exploser les petits cerveaux quand même. Oh, y'a une grenade là. Oh putain, bien. J'ai essayé de la renvoyer, mais j'ai pas réussi. Non, mais c'est pas ça que je veux. Oh oui, ça va la transformer en munitions. Comme j'ai augmenté. Comme j'ai augmenté. Hop là. Mon niveau de. Ah, regardez, il lance des grenades. Voilà, attendez, oula. La tour 2 est là, putain, ils sont en train d'attaquer la tour. Ta gueule, toi. Oh putain, ce que je me suis pris. Attends, j'aurais bien. T'es mort, toi. Oh putain, j'ai presque pu m'appuyer. Attends. Oh putain, mais d'accord. Il a explosé lui. Ah bah c'est lui qui l'a explosé. Mais merci de m'avoir aidé. Attends, il y en a un autre de l'autre côté, j'ai vu. Je le vois sur la carte. Ah, toi tu n'auras pas. Oh putain, il y a eux qui reviennent. J'ai plus beaucoup de munitions. Attends, hop, on va consommer sans munitions. Allez. Merci. Allez, 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 allez. De mettre un mec avec moi. Oh, ça attaque de l'autre côté. Ouais, j'ai réussi. Oh, et en même temps, oh là. Hop, et je ramasse. Oh putain, j'ai balancé la grenade à la fin. J'ai ramassé un cerveau. Ouh, et bah c'était chaud à la fin avec les robots et tout ça. Bon, éliminer les soldats avec les grenades, j'ai pas réussi parce que c'était un petit peu le bordel. Celui-là, il est un peu chiant à faire. Yes! Bird Weaver, prophète ou marionnette? Une émission surprise provoque une chasse aux communistes. Fou! Eh bah, c'était bien compliqué cet épisode. Ah, elle est chiante cette mission-là parce que t'as juste à protéger les tours, mais ils viennent de partout, ils peuvent un peu de partout. Et quand t'as pas toutes les armes à fond, c'est plus dur. Et en plus, les bonus sont chiants aussi, je trouve. Ah, bon, j'ai apparaissé le dernier bonus, mais bon, alors attendez, est-ce que je voulais augmenter quoi? Attendez, est-ce qu'on peut augmenter quelque chose là-dedans? Ça, on peut pas augmenter. Alors attendez, augmente la durée de l'holobob. Ah, si, je voulais le mettre ça la dernière fois, mais j'ai pas pu, j'avais pas assez de points. Voilà, les petits objets que vous faites, l'éviter. Oh non, 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 tac-tac, le zapomatique. Désintégrateur, des intenses augmentent rapidement les dégâts infligés à la cible enflammée. Voilà, on peut enflammer les ennemis maintenant, ça c'est bien. La sonde anale, on s'en fout, à part si. Augmente consommation à l'intervalle, on s'en fout.
Bon, bah c'est pas mal. On va voir pour la soucoupe. Peut-être augmenter le. Il est déjà à fond. Augmenter peut-être le laser dans cet effet. Ça, c'est quoi? Augmente les dégâts infligés par à l'impact. Voilà, ça, on l'augmente. Eh bien, voilà. Eh bien, c'est fait. C'est fait, mes amis. C'est fait. Nous avons réussi ce petit épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, c'est Kratos. Et on se retrouve pour un prochain épisode sur Destroy All Humans, le remake sur PlayStation 4. Allez, salut tout le monde. Et portez-vous bien.